Il y a un truc dont j'ai envie de parler depuis quelques temps, c'est la durée de vie des jeux vidéo, et notamment l'estimation qui en est faite par les professionnels du milieu et les joueurs, on va dire, les plus aguerris, ceux qui, dans les faits, sont le plus à même de donner leur avis, justement, sur la durée de vie d'un jeu vidéo. Parce que le problème, c'est quand vous achetez un jeu, vous avez un petit peu envie de savoir quand même combien de temps ça va vous prendre, que ce soit pour finir l'histoire principale, pour faire les 100% si jamais vous êtes du genre complétiste ou alors que vous cherchez à avoir tous les succès, tous les trophées, tout ça, de savoir aussi combien de temps ça va vous prendre si vous êtes un petit peu un mélange des deux, c'est-à-dire que vous faites pas les jeux non plus en ligne droite complètement, vous faites des trucs à côté mais vous faites pas forcément tout. Bref, savoir en avance combien de temps va vous prendre le prochain jeu que vous allez faire. Le truc, c'est qu'il y a un super site pour ça qui s'appelle How Long to Beat, ce qui littéralement signifie, en traduisant en français, combien de temps pour le finir. Ce site, c'est une référence dans son domaine, mais il a un gros problème à mes yeux. Concrètement, il référence tous les jeux vidéo possibles et imaginables. Ils ont une base de données, vous voyez, de 78 400 jeux, c'est monumental. Et c'est une base de données qui, évidemment, va renseigner à peu près sur combien de temps les jeux vidéo mettent à être terminés. Mais le problème, c'est que ça va se baser sur des opinions de joueurs qui, pour la plupart, sont des core gamers, qui du coup sont quand même plutôt rompus au jeu du jeu vidéo et qui, pour la plupart, vont finir leur jeu beaucoup plus vite, je pense, que le commun des mortels et surtout la grande majorité des joueurs. Quand on arrive sur ce site, les jeux qui sont mis en avant, comme vous pouvez le constater ici, évidemment, c'est les jeux soit du moment, soit les jeux les plus populaires de ce site. On voit que Elden Ring ou Cyberpunk sont toujours présents, alors qu'ils commencent à dater, mais c'est normal. Pareil pour Baldur's Gate, qui est un jeu qui a un an. On voit aussi Silent Hill 2, Echoes of Wisdom, Metaphor of Fantasio, qui sont les trois derniers gros jeux sortis et très populaire dans cette base de données, et puis des jeux encore plus anciens, mais extrêmement joués, et sur lesquels beaucoup de joueurs ont donné leur avis, comme Red Dead Redemption 2, les Portal, The Witcher 3, je pense qu'en descendant, on va certainement probablement voir du Breath of the Wild, peut-être du Skyrim, si ça se trouve, du GTA 5, tiens, bah, GTA 5, voilà, il est là, on voit Astro Bot, qui est pas si loin, et concrètement, c'est à la fois une très bonne source d'informations pour connaître la durée de vie d'un jeu vidéo, et en même temps je trouve que c'est pas forcément révélateur. Maintenant, ça a un petit avantage, c'est qu'à partir de ce qui est donné comme information, on peut se dire ok, donc si eux ils ont mis tant de temps à le finir, moi ça va me prendre tant de temps. Le problème, c'est que c'est pas forcément valide pour absolument tous les jeux. On va prendre des exemples en particulier et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que les estimations qui apparaissent sur ce site, je trouve qu'elles sont pas forcément bien pensées. On va prendre l'exemple d'un jeu comme Hollow Knight, qui est montré ici par exemple. Hollow Knight, il y a marqué que le jeu met 27 heures à être terminé et 64 heures pour ce qu'on appelle le complétionniste. Qu'est-ce que c'est que le complétionniste concrètement? C'est combien de temps le jeu va vous prendre à finir à 100%. Et dans tous les cas, je trouve qu'ils sont très en dessous de la réalité. Autant mettre 27 heures pour finir Hollow Knight si on ne fouille pas trop, ce qui dans le cas d'un jeu comme Hollow Knight, je suis désolé, n'est pas vraiment réaliste, parce que Hollow Knight, vous perdez beaucoup, c'est un jeu où vous allez faire des tonnes et des tonnes d'allers-retours, et en plus c'est un jeu qui va concrètement vous pousser à explorer ses moindres recoins constamment. Je pense que quasiment personne ne fait Hollow Knight entre guillemets en ligne droite, sachant qu'évidemment il n'est pas question de ligne droite dans un jeu pareil. C'est pareil pour tous les open world. On voit justement dans ce site des Ghost of Tsushima par exemple, ou des semi-open world, des jeux plus à embranchement qui sont des mondes semi-ouverts comme les derniers God of War, ou le Tomb Raider de 2013 d'ailleurs, qui a une structure assez comparable à celle de God of War par certains côtés. On voit bien, encore une fois, que il y a une grosse différence entre évidemment la main story, ce qui est terminer le jeu donc en ligne droite comme on dit, et le 100%. Moi je pense que très peu de gens déjà finissent les jeux de cette manière, en mode main story, sans faire des à côté, surtout quand il y a beaucoup de side quests, il y a beaucoup de collectibles. Quand le jeu est très dirigiste et que concrètement il n'y a pas trop de choses à faire à côté, je peux concevoir qu'effectivement ça mette pas très longtemps. Mais
pour la majorité de ces jeux, pour moi, la partie main story, elle est très 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 sous-estimée, et je pense que à chaque fois qu'on nous dit que tel jeu il faut 10-15 heures pour le finir, je pense qu'il faut compter au moins 20 heures facile, parce que ces estimations en fait ne tiennent pas compte de la capacité que le joueur a à se laisser attirer par des trucs à côté, que ce soit des side quests, encore une fois que ce soit des collectibles, et surtout j'insiste sur le niveau du joueur. Moi, ce qui m'ennuie sur How Long To Beat, c'est comme je vous l'ai dit, c'est que c'est un site web dont les avis sont donnés majoritairement par des joueurs expérimentés. On notera qu'il y a un code couleur qui est en fonction du degré de qualité, on va dire, de l'estimation. En fait, ce code couleur, il dépend du nombre de personnes qui ont voté, qui ont donné en tout cas leur avis. Il faut savoir que si c'est en bleu, comme vous le voyez sur la majorité, c'est qu'ils estiment que suffisamment de gens ont donné une estimation pour que l'estimation moyenne soit basée sur un panel suffisamment représentatif. Pas de problème avec ça, je ne sais pas quel est le nombre de joueurs qu'il faut pour que ce soit en bleu, mais je trouve que c'est très bien d'avoir utilisé ça comme indicateur. Inversement, quand on verse vers le bleu foncé, puis le mauve, puis le rouge en dernier lieu, c'est qu'il y a de moins en moins de joueurs qui ont donné leur avis, et que donc le chiffre a tendance à pas être forcément extrêmement pertinent. On peut partir du principe que du coup l'estimation moyenne de 106 heures pardon, pour faire les 100% de Metaphor of Fantasio, elle est d'une fiabilité modérée. Parce que ça veut dire que assez peu de joueurs ont fini le jeu à 100%. En même temps, il est sorti il y a 10 jours, donc je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui aient déjà investi 100 heures en 10 jours pour donner leur avis dessus. Mais quand vous voyez les moyennes sur ce site qui sont en rouge, il faut partir du principe qu'effectivement, c'est pas forcément non plus d'une fiabilité folle. Maintenant, quand beaucoup de joueurs donnent leur avis, on pourrait partir du principe que bon bah c'est que c'est quand même une moyenne de plein d'avis, donc ils ont raison. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est que systématiquement, quand j'ai regardé les estimations qu'il y avait sur How Long To Beat, j'ai eu cette impression que j'étais toujours 20-25% plus lent que les gens. Et j'en ai parlé parfois avec des confrères et consoeurs journalistes ou avec d'autres joueurs, j'ai remarqué que j'étais plus lent que pas mal de gens qui travaillent dans ce milieu, que globalement, par rapport aux professionnels du jeu vidéo, les gens qui vivent et pensent jeu vidéo non-stop, je suis beaucoup plus lent. Parce que, déjà, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les détails. Je m'attarde beaucoup, d'ailleurs je fais beaucoup de screenshots, j'aime bien parfois repasser à des endroits où je suis passé, ne serait-ce que pour voir bon, si j'ai peut-être loupé un collectible, ou aussi parce que j'ai trouvé l'endroit joli et j'avais envie de le revoir. Ça m'arrive parfois aussi de pas forcément mettre le jeu en pause, si je vais, ne serait-ce que si je vais aux toilettes ou si je vais me faire un petit truc à manger ou un truc du genre, et que bah, forcément ça fait tourner le chrono. Mais surtout, un truc qui est encore plus important, c'est qu'il y a certaines estimations, j'ai eu cette impression en les voyant, que les joueurs qu'ils ont donnés, ils sont pas morts une fois en jouant au jeu. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bah, je vais uniquement compter le temps effectif qu'il faut pour aller du point A au point B, ou alors plutôt du point A au point Z, qui est la fin du jeu, et sans tenir compte des morts. C'est-à-dire combien de temps en ligne droite ça met en partant du principe qu'on meurt jamais. Sauf que c'est pas comme ça que les gens jouent. Les gens, ils meurent plein de fois. Et le temps, il est décompté. Je vais donner un exemple qui est très intéressant. Je vais prendre le cas de The Last of Us. Last of Us, vous allez voir les estimations, elles sont probablement très inférieures à ce que j'ai fait moi à l'époque. The Last of Us, le premier du nom, ils estiment qu'il faut 15 heures pour le finir. On part du principe que cette estimation, elle est basée sur une découverte du jeu vidéo. On est d'accord que c'est la première fois qu'on le fait et donc on ne le connaît pas. The Last of Us, la première fois que je l'ai fait en hard. Je pense que ça a aggravé la durée de vie de mon côté, mais ça m'a pris 23 heures pour finir The Last of Us. Parce que j'ai beaucoup fouillé aussi, j'ai essayé de trouver plein de trucs, et je suis mort quand même un sacré paquet de fois. Je ne vois pas du tout comment, la première fois qu'on fait un jeu comme The Last of Us, surtout si on se laisse émerveiller par le jeu, qu'on a envie de regarder toute la richesse des décors, qu'on ne skippe pas les cinématiques, qu'on meurt plusieurs fois parce que ça fait quand même partie de l'histoire de se faire avoir dans certains combats qui sont plus difficiles. Même moins de 20 heures, je vois pas comment on peut le faire la première fois. The Last of Us Part 2, ils ont mis une estimation de 24 heures. Moi, ça m'a pris 40 heures. Parce que j'ai quasiment tout trouvé, c'est vrai, sur ma première partie, parce que j'ai pris vraiment bien mon temps. Je sais que je suis plus lent, mais j'ai des gens, ils m'ont dit, ça m'a pris 21 heures, et je me suis posé la question, mais vous faites comment ? Vous skippez toutes les cutscenes, vous réussissez tous les combats du premier coup, vous n'explorez rien, comment vous faites ?
Est-ce que vous prenez du plaisir à faire les jeux comme ça? Comment un jeu comme The Last of Us Part 2, en le découvrant pour la première fois, on peut le finir en 20 heures? Et qui fait le jeu? Ça me dépasse. J'ai l'impression qu'il y a des gens, et j'ose espérer pour eux qu'ils ne s'inventent pas une vie, qui sont capables, quand ils font un jeu vidéo pour la première fois, de jamais mourir, de résoudre toutes les énigmes tout de suite, de faire le jeu, je vous dis, du début à la fin, bah ouais, sans jamais échouer, puis sans, visiblement sans avoir la curiosité piquée d'aller, d'aller regarder un peu ce qui se passe à gauche, à droite. Ça me dépasse un peu. Donc, moi, c'est ce système, en fait, d'évaluation des jeux vidéo et de leur durée, je trouve que c'est une très bonne chose, parce que je pense que c'est important d'avoir un indicateur de la durée de vie d'un jeu, mais je ne trouve pas que les chiffres affichés soient fiables. On va prendre l'exemple aussi, parce qu'il me parle pas mal, des jeux Zelda. Bon, les jeux Zelda, sur certains, de toute façon, sur certains, l'estimation, elle est pétée. Sur un jeu comme Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, la durée de vie de la main story, elle est inestimable, parce que le problème, c'est que c'est un jeu... bon, c'est des jeux qui sont assez complexes quand même à envisager de faire en ligne droite sans quand même améliorer un minimum son équipement et son expérience. Mais moi, vous voyez, Breath of the Wild, je l'ai fini pour la première fois après 180 heures, mais parce que j'avais tous les sanctuaires et que j'avais tous les cœurs. Je me voyais pas aller à Ganon tout de suite à me focaliser à fond sur les créatures. Par contre, quand je l'ai refait uniquement pour l'histoire, uniquement avec l'intention de taper les 4 créatures et de faire, allez, une vingtaine de sanctuaires histoire d'avoir quelques cœurs en plus et un peu de stamina, ça m'a pris 60 heures. Mais ça m'a pris 60 heures en connaissant le jeu, en l'ayant déjà fait à 100% par le passé, en sachant comment optimiser tout un tas de trucs. À aucun moment, c'est un jeu, quand vous faites la première fois, vous ne mettez que 50 heures à le finir. Ça me dépasse. TOTK, c'est à peu près le même genre de délire. Et encore, TOTK, c'est un jeu, quand vous le faites, la plupart du temps, vous avez l'expérience de Breath of the Wild, donc ça peut davantage se concevoir que vous le fassiez, je vais pas dire vite. Et inversement, Echoes of Wisdom et Link's Awakening, je trouve que là, ils sont limite surestimés en termes de longueur. Echoes of Wisdom, c'est un jeu, j'estime que ça a dû me prendre 18 heures pour le finir. Et Link's Awakening, là, vraiment, vraiment, pour le coup, ils omettent un truc, c'est que beaucoup de gens qui ont fait le remake avaient fait l'original. Vous connaissez Link's Awakening, le remake, il vous prend 10 heures, grand max à faire. Grand max. Donc, moi, je suis un peu embêté par les estimations d'A Long to Beat, parce que je trouve que soit elles ont tendance à sous-estimer totalement la durée des jeux, et pour certains, elles les surestiment, et peut-être qu'elles tiennent pas assez compte du background des joueurs et de leur expérience, surtout quand ce sont des jeux qui font partie de licences qui sont très connus. On va regarder un peu ce qu'on a sur les Super Mario, par exemple. Sur Super Mario Wonder, moi je sais que c'est un jeu qui m'avait pris... Ouais, alors là, pour le coup, la main story, là, ils ont décidé qu'on fait aucun des niveaux sur le côté. On décide de torcher, de tout faire en ligne droite. Et autant, je suis presque d'accord sur le complétionniste. Presque d'accord. Hein. J'ai dû mettre 25 heures pour le faire à 100%, grand max. Mais pour la main story, c'est pareil, c'est dommage de se dire en torche jeu comme ça. Mario Odyssey en 12 heures, c'est Mario Odyssey, quand vous le faites, vous avez pas envie de tout de suite, dès que vous avez le bon nombre de lunes, allez vite, on passe au truc suivant. C'est pas plaisant. Regardez, ils ont estimé que Mario Odyssey met autant de temps à être fini que Mario 64. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas du tout. Bon, maintenant... attendez, c'est vrai que je vous l'affiche pas, je l'affiche pas, excusez-moi sur le retour, mais je suis pas non plus là pour défoncer A Long to Beat et vous dire que c'est un mauvais site. Attention, je trouve que le concept de A Long to Beat est excellent, et pour moi c'est un concept qui devrait juste être un petit peu affiné et peut-être un peu un peu mieux pondéré. Mais le problème, c'est que c'est un système de niche, c'est-à-dire que c'est pensé vraiment pour des gamers qui ont l'habitude de faire des recherches sur internet, qui ont l'habitude de beaucoup se documenter, et donc qui va remplir ce genre de base de données? Bah, des gamers expérimentés, et donc des gens qui sont doués et savent bien jouer aux jeux vidéo et savent les finir vite. Donc moi, ma logique, et ce sera peut-être la vôtre aussi, c'est de me dire que pour chacun de ces jeux, la plupart du temps, si bien sûr il y a un max de gens qui l'ont noté, donc on est sur un fond bleu,
Qu'on rajoute, ouais, en fonction de notre passif, de notre profil, de nos habitudes par rapport à ces estimations, on rajoute 20-30%. Moi, c'est ce que je fais. Je pars du principe que dès que je vois une estimation de la durée de vie d'un jeu sur A Long To Beat, je rajoute facilement 20%. Parce que je me dis, voilà, ce jeu qui est marqué comme durant 20 heures, bah moi, c'est quasi sûr qu'il va me prendre 25 heures. Maintenant, voilà, c'est pas une science exacte, mais je voulais en parler parce que ça fait un petit bout de temps que je voulais m'exprimer sur les estimations de durée de vie de A Long To Beat, avec lesquelles je suis pas trop d'accord, mais qui me servent quand même de référent et qui pour moi peuvent être quand même exploitées dans le bon sens, parce que l'initiative de base est très cool. C'est juste qu'il faut savoir la pondérer, il faut savoir comment la comprendre et comment l'adapter à notre profil. Mais vraiment, les gens qui torchent leur jeu, qui les finissent visiblement sans jamais mourir en ligne droite, ça me dépasse, et je me dis que ces gens-là doivent peut-être pas beaucoup s'amuser quand ils jouent à des jeux vidéo. Voilà. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez éventuellement du site How Long To Beat, voire de cette initiative si vous la connaissez pas. N'hésitez pas en tout cas à aller jeter un oeil à How Long To Beat, je persiste à penser que le concept est vraiment très bon. N'hésitez pas aussi à me dire, voilà, vous, comment vous faites vos jeux la première fois que vous y jouez, est-ce que vous vous rushez, est-ce que vous allez vraiment tête baissée vers votre objectif principal, ou est-ce que vous prenez vraiment beaucoup le temps de le savourer, est-ce que vous ferez partie de ces gens qui, comme moi, vont devoir probablement rajouter 20-30% par rapport à l'estimation qui est affichée sur A Long To Beat. Bref, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas évidemment à me laisser aussi des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo ou que vous voulez soutenir la chaîne, bien sûr. Et puis également à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et activer la petite cloche pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup de l'avoir regardé, merci pour votre fidélité et votre soutien. À très bientôt.